On reste en petit air où nous attend Ibrahim Yahya à l'abattoir. Alors Ibrahim, comment s'est déroulée sur place cette journée de vote? Oui, génial Atoumani, les bureaux de vote ont fermé leurs portes. Vous pouvez le voir derrière moi. Comme au premier tour, il n'y a pas eu une forte mobilisation pour ces élections. Et comme au premier tour, les électeurs ne se sont pas bousculés pour venir voter. Comme au premier tour, l'élection s'est déroulée dans le calme. Il n'y a pas eu de réclamation comme on a l'habitude de voir ici. Aujourd'hui, c'est comme si les deux camps avaient fait un pacte de non-agression. D'ailleurs, ce sont les communes qui se sont organisées pour cette élection en mettant en place leurs agents. Et dans les bureaux où il manquait d'assesseurs, des électeurs ont été réquisitionnés. Beaucoup ne s'y sont pas opposés. Ici, en Petite Terre, près de la moitié ont pu se rendre, la moitié des inscrits sur les listes électorales ont pu se rendre aux urnes et accomplir leur devoir de citoyen génial. Merci beaucoup, Ibrahim Yahya, depuis Petite Terre.